Ah, on va faire une émission qui va faire date aujourd'hui. Ça ne va pas coûter un peu cher. Ayez confiance, je sais ce que je fais. Tout ça pour un jeu d'aventure. Un grand jeu d'aventure, et français qui plus est. Ça ne vaut pas un Monkey Island, je trouve. J'avais envie de faire de la science-fiction aujourd'hui. Vous auriez pu prendre The Dig dans ce cas. Je n'aime pas trop dire du mal d'un jeu, mais entre nous, vous ne trouvez pas que The Dig est un petit peu ennuyeux? Votre manque de foi me consterne. C'est bon, je ne dirai plus jamais du mal d'un jeu Lucasfilm à l'avenir. Promis. Générique. Non mais stop là, arrêtez, qu'est-ce que vous Qu'est-ce faites qu'il y là? a? À quoi vous jouez exactement? Je fais la musique à la bouche. On n'a pas trop les moyens d'utiliser l'original. On peut l'utiliser, personne ne le verra. C'est ça, et on va se faire striker par YouTube. Vous n'avez rien de mieux? J'ai les musiques des voyageurs du temps. Ça ne serait pas mieux que votre bouillie sonore? C'est facile de critiquer quand on ne fait rien à longueur de journée. Contentez-vous de lancer la musique. Ok, j'ai une idée, mais on en reparlera. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle émission au cœur de l'aventure. C'était quoi ça? Aucune idée. Je vais voir. Continuez la présentation de l'émission pendant ce temps. Ok, ça marche. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu d'aventure mythique dans un univers de science-fiction et que l'on doit à une équipe française. Je veux bien entendu parler des voyageurs du temps que l'on doit à l'équipe de Delphine Software. Si j'étais vous, je partirais immédiatement. Et pourquoi je partirais? C'est bon, j'ai compris. Envoyez la séquence sur l'équipe de Delphine Software. Je vais essayer de parlementer un peu. Avant Delphine Software, il y a Delphine Productions, une société de production musicale derrière laquelle se cache Paul de Senneville, Delphine étant le prénom de sa fille aînée. Ce dernier a été le manager de Christophe, Hervé Villard et Michel Polnareff. Des noms que je ne pensais jamais prononcer ici. On aura décidément tout fait dans cette émission. Attendez, ce n'est pas tout. Figurez-vous que Senneville est également compositeur et il a écrit la célèbre ballade pour Adeline, qui a été jouée ensuite par le pianiste Richard Clayderman, qui deviendra un artiste maison. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais vous ne pourriez pas plutôt parler de jeux vidéo? Oui, on y arrive. Senneville souhaite diversifier les productions de l'entreprise Delphine et ouvre une branche software spécialisée dans le jeu vidéo.
Si la société est née grâce à Senville, son succès viendra d'un jeune homme qui arrivera avec des idées plein la tête. Un certain Paul Cuisset. Na-na-na-na-na. Qu'est-ce que vous faites encore ? Il ne parle pas notre langue. Et je n'ai pas fait Alien en première langue à l'école. Moi, Psycho-Seb. Et vous ? Je comprends rien. Attendez, je vais baisser doucement mes mains comme ça. Voilà. Longue vie et prospérité. Attendez, moi ami. Courez, imbécile. Revenons sur Paul Cuisset. Ce dernier est un passionné de musique qui souhaiterait vivre de sa passion. Son père le pousse tout de même vers des études d'informatique, prétextant que cela lui serait utile pour ses compositions. Cuisset est rapidement fasciné par ce média et surtout par les jeux vidéo, dont deux qui le marqueront particulièrement, Loadrunner et Elite. Cette nouvelle passion lui permettra de rencontrer Denis Mercier et Michael Sportouch. Tous les trois sont fans d'Arkanoid et décident de se lancer sur la création d'un premier jeu sur Atari ST, Tonic Tile. Fort de ce petit succès, il démarche alors la société Elite, une société anglaise spécialisée dans le portage d'arcade sur micro. Et il décroche le droit d'adapter le hit de Sega Space Harrier sur Atari ST. Rien que ça ? Eh oui, mais le développement sera folklorique. Les jeunes garçons devront filmer le jeu d'arcade en douce, car c'était interdit à l'époque, et utiliser la version Master System comme support. C'était un peu comme s'ils avaient réalisé une version pirate du jeu. Pourtant, leur version sera un beau succès qui poussera Elite à leur proposer une autre conversion d'un titre de Sega, Thunderblade. Et ils ont dit oui, je suppose ? Eh bien, pas du tout. L'équipe planchait déjà sur un jeu original, un certain Bio-Challenge. Sportouch connaissait déjà Jean Baudelot, qui travaillait chez Delphine Productions en tant qu'auteur-compositeur. Apprenant par ce dernier la création de la branche software de la société, il propose alors de présenter le jeu Bio-Challenge. Le jeu plaira beaucoup, et l'équipe sera intégrée en tant qu'indépendant à la société Delphine Software, permettant ainsi à cette dernière de sortir ses deux premiers jeux, Castle Warrior et le fameux Bio-Challenge. Bien qu'imparfaits, ces jeux se font remarquer par la presse et par le public. De son côté, Paul Cuisset souhaite proposer quelque chose de bien plus ambitieux pour son prochain jeu. C'est bon, ils ne sont pas dans le coin apparemment. Vous en êtes sûr ? Oui, je ne vois rien sur les moniteurs. C'est pas forcément bon signe ça. Qu'est-ce que c'est ? Oh, vous m'avez fait peur. Moi, gentil. Sarah Connor. Bah, je vous remercie. Je sais que je fais pas très viril, mais est-ce que j'ai une tête à m'appeler Sarah ? Dites-lui qu'elle est dans la pièce à côté. Apparemment, elle est dans la pièce à côté. Et surtout, ne dites pas merci. Je te jure. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Oh ! Oh ! Bonjour. Vous sortez de la douche ? Vos vêtements, vite ! Je vous en prie. On vient à peine de se rencontrer. Bobo. Paul Cuisset réfléchit à un projet de science-fiction basé autour du voyage dans le temps. Il veut une expérience la plus proche possible du cinéma, l'interactivité en plus. C'est dans cette optique qu'il écrit un scénario riche et complexe, dont la narration serait mise en avant par les scènes cinématiques. Denis Mercier devait travailler sur les graphismes du jeu, mais vu son jeune âge, les études étaient la priorité du moment. Sur les conseils d'un membre de Delphine, Cuisset fera la connaissance de Eric Chahi, qui travaillait juste avant pour la société Cheap. Leur jeu aussi était cheap. Laissez tomber les blagues, c'est vraiment pas votre truc. Cuisset n'est pas vraiment emballé par ce qu'il voit au début, mais Chahi lui présentera alors des croquis bien plus personnels qui vont finir par le convaincre de lui laisser la charge des graphismes du jeu. La musique est confiée à Jean Baudelot, déjà salarié de Delphine, qui vous laisse essayer à la musique de jeux vidéo. De son côté, Cuisset se chargera de la programmation. Et ils vont nous reprendre une interface à la Lucasfilm, je suppose ? Pas du tout. Le jeu sera plein écran et le clic droit de la souris nous permettra de gérer des fenêtres pop-up servant à choisir les actions ou les objets de l'inventaire. L'histoire sera également revue.
À la base, on devait corriger les erreurs commises par d'autres voyageurs temporels. Mais comme c'était trop complexe à gérer, le tout fut simplifié. De nombreuses références écrites ou visuelles se retrouveront dans le jeu, comme la phrase « Que la force soit avec toi » ou cette scène avec les moines directement inspirée d'une scène du film Midnight Express. Lors de la sortie du jeu, la société deviendra Delphine Cinematic Software, pour renforcer le caractère cinématographique de cette production qui allait faire parler d'elle. Oh non, il a pris mes sous-vêtements en plus! Si vous n'étiez pas distrait dès qu'un joli petit cul passe devant vous... C'est pas vrai! Puis il avait pas qu'un joli petit cul. Bon, ça fait longtemps que je suis inconscient. Assez pour vous retrouver nu. Encore. Vous allez arrêter avec ça? L'émission avance, non? Oui, heureusement qu'on avait tout préparé avant. Oui, c'est pas faux. Heureusement qu'on avait tout préenregistré. Bon, ça ne pourrait pas être pire, de toute façon. Oh non, pas encore. J'aurais mieux fait de me taire, moi. Je vous rappelle que je comprends rien du tout à ce que vous dites. C'est quoi ça encore? J'en ai marre. Dans le jeu, on incarne un humble laveur de carreaux qui vit en 1989. En fouillant l'un des bureaux de l'immeuble dont il s'occupe, il finira projeté en plein Moyen-Âge. Pour peu, on dirait le scénario des visiteurs. Oui, bon, le Moyen-Âge c'est une première étape, car en sauvant la fille du châtelain local, on apprend qu'un complot extraterrestre est à l'œuvre. Les Krugons veulent envahir la Terre en l'an 4315, mais afin de détruire les sources d'énergie qui alimentent les boucliers de la planète, ils se rendent dans le passé pour y poser des bombes. C'est vicieux comme attaque! Ils ne sont pas méchants pour rien, vous savez. Mais c'était sans compter sur notre héros anonyme, car on ne le nomme jamais, qui va aider la planète. À mon avis, s'il fait tout ça, c'est plus pour impressionner la fille que pour l'avenir de l'humanité. Mais bon. Les hommes pensent peu avec leur cerveau, vous savez. Ne m'en parlez pas. Mais je m'égare. L'aventure vous transportera à différentes époques jusqu'à finir à l'ère des dinosaures pour tenter de stopper la menace Krugon. Menace qui donnera son titre à cet épisode. Sur le principe, le jeu est une réussite graphique et musicale. L'interface est aussi extrêmement bien pensée, mais souffre malheureusement d'un défaut terrible. Lequel ? L'obligation d'être à proximité d'un objet pour le prendre. Combien de fois j'ai vu la phrase « approchez-vous un peu plus » pour prendre un objet qui ne fait parfois pas plus d'un pixel. Ceci est encore plus contraignant sur une action chronométrée nécessitant de s'approcher d'une créature qui ne demande qu'à nous dévorer. Et en plus, on peut mourir. Oui, le jeu comporte son lot de passages périlleux pouvant mettre à mal nos nerfs. Mais ce n'est pas le pire. Le jeu comporte sur sa fin des passages d'action inhabituels pour un jeu d'aventure. Je peste encore contre la phase de tir contre les Krugons ou encore sur le labyrinthe final dont il faut sortir en un temps très court. Malgré ces quelques défauts, cela n'enlève en rien au charme du jeu qui reste un excellent jeu d'aventure. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Bonjour. Excusez-moi pour la tenue. Je me suis fait agresser. Oui, je vois ça. Heureusement que je suis arrivé avant qu'ils utilisent leur sonde anale sur vous. La sonde? Non, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai croisé un gars. Plutôt mignon, d'ailleurs. C'est lui qui m'a piqué mes vêtements. Ouais, je m'en fiche. Sachez que l'alerte alien est levée, maintenant. Vraiment? Oui, il n'y a plus de problème. Regardez juste la petite lumière rouge, là. La petite lumière rouge, là? Vous en avez eu de la chance. Avec la fuite de gaz qu'il y a eu et l'explosion que ça a entraîné, tout ça aurait pu être bien pire. Une explosion de gaz? Et mes vêtements, qu'est-ce qui leur est arrivé? Invasion de mythes. Des mythes? Elle devait être super affamée, alors! Ouais. Bon, écoutez, j'ai encore beaucoup de boulot, donc je vais vous laisser et à la prochaine. Oui, c'est ça, à la prochaine. C'était qui, ce gars? J'ai vraiment l'impression d'avoir loupé quelque chose, moi, aujourd'hui. Pas vous? Commercialisé en 1989, le jeu se révélera vite un succès malgré les quelques points négatifs évoqués auparavant. US Gold se chargera même d'une diffusion à l'international sous le titre Future Wars, Time Travelers.
et ce ne sont pas moins de 70 000 exemplaires qui trouvent preneur rien qu'en Europe. Oui, c'est honnête. Honnête ? Pour l'époque et pour une jeune société qui se lance dans un jeu d'aventure d'envergure, c'est énorme, oui. Mais si succès il y a eu, c'est avant tout grâce au talent de conteur de Paul Cuisset, à la patte artistique d'Éric Chahi et aux musiques qui collent toujours à l'action de Jean Baudelot. On ne le souligne pas assez souvent, mais un jeu, c'est avant tout la somme de plusieurs talents. D'ailleurs, le titre laissait supposer que c'était le premier volet d'une saga, mais finalement ce volet sera le seul à voir le jour. Le fait que Cuisset ne soit pas fan des suites devant jouer sur cela. Senneville verra en ce jeune programmeur un fort potentiel, et le nommera directeur de la création chez Delphine Software. Il ne tardera d'ailleurs pas à se remettre au boulot sur un autre jeu d'aventure, mais ça, ce sera pour une autre histoire. Dites-moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé sur l'émission aujourd'hui. Eh bien, malgré la fuite de gaz, il semblerait que nous soyons arrivés au bout de l'émission sans aucun problème. Ah oui ? Bon, bah dans ce cas-là, je vais la conclure. Ça semble déjà fait également. Décidément. Et le studio ? En cours de rénovation suite à l'explosion. Ok. Bon bah puisque tout est dit, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission au cœur de l'aventure. Et en attendant, jouez bien ! Je vais aller boire un verre, moi. Exterminé, Psycho Seb. Exterminé, Psycho Seb. Ah ! Je suis attaqué par une poubelle qui parle. Exterminé. Ah, elle est là. Avada Kedavra. Qu'est-ce que... C'est vous qui avez fait ça ? Oui, c'est rien, c'était juste une petite attaque magique. Magique ? Vous maîtrisez la magie maintenant ? Oubliette ! Qu'est-ce que je fais là ? Et pourquoi il y a une poubelle qui fume ici ? Oh, c'est rien, je vous expliquerai tout ça plus tard. Décidément, aujourd'hui, j'ai l'impression que je loupe plein de choses. Je comprends vraiment plus rien.